Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kines où l'on rencontre, dans le cadre du cours de plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Ariane Crépeau-Rousseau, qui est enseignante en éducation physique au Collège international Sainte-Anne. Elle a complété le baccalauréat en kinésiologie, la maîtrise en sciences de l'activité physique et le micro-programme en enseignement post-secondaire à l'Université de Montréal. Bonjour Ariane. Bonjour Benjamin. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de rencontrer les étudiants de façon virtuelle aujourd'hui. Avec plaisir. Pourrais-tu nous parler de ton emploi actuel? Oui, alors je suis enseignante en éducation physique au Collégial international Sainte-Anne depuis maintenant 7 ans. Les mandats donc de l'enseignement au niveau cégep, ben, c'est vraiment de faire de l'éducation à la santé aux saines habitudes de vie. Donc, on a une clientèle adulte en devenir et c'est une période là, t'sais, qui est assez changeante. Donc, on a le mandat de leur inculquer des saines habitudes de vie. Donc, c'est vraiment, ça a vraiment un volet promotion de l'activité physique. Ça passe par plusieurs disciplines, donc je me retrouve à faire des cours de plein air, que ce soit du vélo, de la randonnée, des fois ça peut être même du paddleboard, donc plusieurs trucs qui se passent à l'extérieur et d'autres qui vont se passer à l'intérieur, par exemple des circuits d'entraînement, du yoga, de la musculation en salle. Donc peu importe la discipline, l'idée c'est de mettre les jeunes au cœur de l'action, de les faire bouger, de les faire aimer bouger, donc des fois c'est ça le défi aussi, et puis de leur faire surtout découvrir. Est-ce que, parce que je me reprojette dans mes années de cégep à moi, et j'ai pas souvenir qu'il y avait un cours de plein air à l'extérieur, est-ce que c'est particulier à ton cégep ou c'est quelque chose qui est nouveau finalement là, dans les cégeps? Non, ben l'offre des disciplines varie d'un cégep à l'autre, mais ça fait quand même un petit moment que les cégeps du Québec, en tout cas, offrent des cours de plein air, mais ça va vraiment varier d'un cégep à l'autre. D'accord. L'idée, c'est ça dépend aussi des infrastructures, ça dépend des compétences du personnel. Mais paddleboard, par exemple, c'est tout récent, donc avec un peu l'effervescence là, de la planche à pagaie. On a décidé de le monter au collégial, mais ça se peut que tu n'en aies pas eu à ton cégep, malheureusement. Je n'ai pas pu profiter de cette partie. Mais tous les cours sont intéressants dans le sens où c'est les mêmes, on acquiert les mêmes compétences. D'accord. Donc, les profs enseignent, si on veut, les mêmes notions, puis guident les étudiants de la même façon. C'est juste que les disciplines changent. Parfois, c'est intensif comme formule, avec des week-ends puis des nuitées. Parfois, c'est vraiment des cours réguliers là, qui vont s'insérer dans l'horaire à raison, par exemple, de 2 heures par semaine pendant 15 semaines. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous indiquer la pertinence de la présence d'une kinésiologue versus, par exemple, quelqu'un qui aurait fait une formation en éducation physique? Oui, bien, à notre cégep, en fait, on a plusieurs parcours. Certaines personnes ont fait le bac en kin, d'autres ont fait éducation physique. Ultimement, ça se complète bien. L'avantage que je vois, moi, du côté kinésiologie, c'est justement, puisqu'on est les spécialistes de l'activité physique, puis qu'on s'adresse à une clientèle adulte de 17-18 ans, on a moins besoin de faire de gestion de classe puis de discipline à proprement parler. Et donc, on joue un rôle un peu d'intervenant, comme si on était kinésiologue. Des fois, c'est justement individuellement, puis des fois à titre de groupe. Donc, tu sais, le kinésiologue qui apprend à gérer des groupes adultes, par exemple, ou même enfants, en fait, j'ai retrouvé, moi, des compétences que j'ai besoin d'utiliser au jour le jour avec mes étudiants. Puis, en fait, on a vraiment un rôle d'accompagnant dans une période où les prises de décision se font de plus en plus grandes parce que ben, les étudiants, des fois, ils arrivent justement, ils doivent gérer un nouvel horaire, un nouvel environnement,
Des fois, ils ont un passage en appartement ou en résidence. Fait que là, toutes les habitudes de vie, des activités physiques, mettons, qu'ils en faisaient beaucoup au secondaire parce que c'était très structuré, ben là, ils se retrouvent à avoir moins d'obligations, moins de moments dans leur heure où ils sont tenus de faire ça. L'alimentation, des fois, justement, le passage en résidence ou à l'appartement, c'est différent. On a La tous des images dans la semaine, tête. ouais. Exact. Le sommeil, tu sais, justement, les résidences, des fois, ça, le sommeil se fait plus rare. Après ça, ben, on a la gestion du stress aussi. Tu sais, c'est quand même une étape qui dure seulement 2 ans, mais qui a quand même une influence sur la suite des choses parce que ben, ça représente, tu sais, une cotère, puis une entrée à l'université, tout ça. Donc, le KIN peut accompagner vraiment avec toutes ses connaissances, son bagage, puis ses habiletés d'intervention individuelle et de groupe, ben, chacun des étudiants et les étudiants dans leur ensemble vers toutes ces grandes étapes-là, dans le fond, là, cette période charnière-là. Fait que moi, je le vois vraiment comme une guide qui donne des outils pour devenir autonome. Fait que c'est vraiment la définition, ça va vraiment dans le champ de compétences d'un kinésiologue, finalement. Tout à fait. Puis on peut imaginer que cette période-là, pour la vie d'une personne, le passage finalement vers l'âge adulte, c'est un bon moment pour avoir ces bonnes habitudes de vie implémentées comme il faut, là. Absolument, absolument. Tu sais, c'est déjà un bon moment pour adopter les saines habitudes de vie. Après, qu'ils soient maintenus ou non, on ne le sait pas, mais tu sais, c'est déjà quand même des bonnes. Ça va déjà dans la bonne direction si au moins ils en prennent conscience. Tu sais, parce qu'après, mon but, c'est pas non plus qu'ils se jugent, puis qu'ils soient sévères avec eux-mêmes, puis déçus de toutes leurs décisions, puis de comment à quel point, mettons, ils ont arrêté de faire du sport, puis tout ça, mais déjà d'en prendre conscience, puis de voir peut-être une nouvelle manière de l'intégrer, par exemple le déplacement, tu sais, le transport actif. Bref, c'est ça, c'est un peu de leur ouvrir les différentes possibilités, puis de les accompagner dans l'atteinte de leur objectif, puis essayer de trouver des solutions aussi pour eux. Et donner un sentiment positif par rapport à ça. Absolument, on essaie vraiment de valoriser, c'est ça, le plaisir de bouger finalement aussi, le pas leur mettre la pression que, ah, ils doivent avoir de l'activité physique dans leur vie parce que la société veut ça. T'sais, on veut qu'ils trouvent qu'est-ce qu'ils aiment, puis qu'ils essaient justement que ça reste dans leur vie finalement. C'est pas obligé Le d'être une fameux chose. intrinsèque. Ben oui, exactement. La fameuse motivation intrinsèque. Quelles Ouais. sont les circonstances qui t'ont amené à choisir d'être professeur au Cégep? Ben, dans le bac en kin, moi, j'ai toujours aimé l'aspect intervention individuelle et de groupe, que ce soit le cours là, qui s'appelait comme ça à l'époque. Je sais pas s'il y en a encore un qui s'appelle comme ça. J'ai aimé aussi mon expérience à la clinique de kin, mes stages avec les Carabins, puis à l'Institut national du sport du Québec. Donc, toutes ces opportunités-là d'intervenir avec diverses clientèles, puis c'est ça, de m'adresser à un groupe en entier, j'aimais ça déjà. J'avais la préparation physique en tête. Moi, à l'époque, je voulais, ça m'interpellait la clientèle athlète. Fait que c'est pour ça que j'étais allée un petit peu dans cette direction-là. Puis, ben, ultimement, finalement, c'est vraiment de transmettre le plaisir de bouger, le plaisir d'intégrer justement les saines habitudes de vie au quotidien qui me parlait plus. Ça, c'est comme. C'est ça, je m'en suis rendu compte là, à travers mon cheminement de bac et de maîtrise. Je suis restée avec un mini peu de préparation physique avec une équipe Carabin. Puis c'est ce qui est le fun aussi d'être enseignant au Cégep, c'est que ben, ça laisse encore une petite marge pour d'autres choses si on a envie de garder justement peut-être c'est ça, là, d'autres sphères dans notre vie. Il y a encore le temps pour faire d'autres choses que simplement la job pour laquelle t'es Ouais. payé au jour le jour. Ben, la réalité des enseignants au Cégep, en tout cas à l'heure où on se parle, c'est que souvent, on a moins de cours à l'hiver parce que le cursus scolaire, c'est 3 cours d'éducation physique sur 4 sessions. Fait qu'il y a toujours une session qui est dans laquelle il n'y a pas d'éducation physique. Nous, au Cégep où j'enseigne, c'est la 4e session et c'est donc la session d'hiver, 2e année.
Tous ces étudiants-là n'ont plus d'éducation physique, ce qui fait que la charge de travail à répartir entre les professeurs est moindre. Et donc, on se retrouve avec un peu moins de charge, ce qui laisse la place justement à d'autres possibilités. À d'autres passions. Exactement. Dans ton milieu de travail, te considères-tu toi-même comme une actrice de changement? Bon, oui, mais c'est quand même vraiment du travail d'équipe. Puis, j'ai la chance de travailler dans un cégep qui favorise vraiment l'innovation puis qui dit pas souvent non aux idées qu'on a. Fait que nous, mettons, on veut que nos étudiants jouent dehors. Fait qu'on a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de cours qui se donnent à l'extérieur, en plein air, donc les formules intensives de week-end. Mais on a aussi le goût qu'ils puissent jouer dehors si c'est un cours régulier. Donc, plutôt que de rester, mettons, en salle justement pour faire du yoga, ben par exemple, on peut faire du yoga neige, puis tu sais, aller jouer dehors même en hiver. Bon. Fait que il y a ces petites, tu sais, ces petites affaires-là qui fait que on rajoute du petit funky à nos cours d'éducation physique pour qu'ils voient que, surtout dans le fond, pour qu'ils voient qu'on peut bouger dehors. En fait, on peut bouger, point, là, tu sais, même malgré tout, on peut trouver des façons de bouger puis d'adopter l'activité physique. Et on peut le faire malgré les intempéries. Tu sais, il suffit de bien préparer, finalement. Fait qu'on on les sort un peu de leur zone de confort. Puis, D'accord. De là, grandit. Il y a beaucoup de plein air. Puis, il y a peut-être aussi la twist évaluation. Donc, évidemment, on doit évaluer les... ça reste un cours. Des compétences, ça reste un cours, exact. Et on essaie d'évaluer vraiment les compétences du devis ministériel et de mettre l'accent sur le plaisir, comme je disais aussi, mais l'inverse de performance, finalement. C'est tant mieux si un étudiant se fixe des objectifs orientés sur la performance parce que ça lui parle, puis qu'il réussit à les atteindre, puis qu'il se valorise là-dedans. Mais on veut pas que ça prenne toute la place. Donc, on valorise beaucoup le fait d'avoir une démarche efficace qui implique une introspection, puis des apprentissages. Fait qu'on va pas non plus insister sur la progression, puisque des fois, ça se peut qu'il n'y en ait pas de progression, malheureusement, mais il faut savoir pourquoi, finalement. Donc, on essaie vraiment de permettre aux étudiants de prendre du recul, puis de voir, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, quels bénéfices j'en retire, est-ce que j'ai eu du fun, pas de fun. Donc, on essaie vraiment là, de mettre l'accent sur la démarche, finalement. Donc, si j'aurais à résumer, la chose que tu apportes particulièrement, c'est la personnalisation des évaluations. Ouais, ben encore une fois, c'est ça, c'est pas moi toute seule, mais c'est je dirais que dans notre département, puis tu sais, je veux dire, chaque personne, chaque collègue apporte sa couleur, mais au final, on s'entend vraiment pour dire que on a très envie que, on va dire, la métacognition ou l'introspection soit au cœur vraiment de la démarche en éducation physique, parce que c'est ce qu'on pense qui porte fruit pour la suite d'un point de vue autonomie, pour qu'ils volent de leurs propres ailes, finalement, et qu'ils soient en santé le plus longtemps possible, en fond, parce que c'est ça qu'on souhaite. Si je peux ajouter un mini-élément, c'est qu'on voyage. On a la chance de pouvoir faire des voyages internationaux avec nos étudiants et leur enseigner sur place, donc par exemple en Italie. Et là, il y a nouvellement un cours d'éducation physique qui va être qui est ajouté à ça. Ça va être notre première édition. Donc c'est quand même le fun. Je dirais que c'est un peu ma touche parce que ça a jamais le voyage n'a jamais encore existé avec un cours d'éducation physique à l'intérieur. Donc je suis très excitée de monter ce nouveau cours. Je suis sûr que les étudiants sont également excités d'aller faire leur éducation physique en Italie. Ouais, c'est quand même pas plate comme idée. Oui, j'imagine. Mettons qu'on recule dans le temps un tout petit peu, là. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta formation universitaire? Est-ce que tu as un parcours là, linéaire qui t'a amené vers ce que tu fais ou ça a été plutôt embûche sur embûche? Non, ben ça a été, mettons,
J'ai fait mon bac en kinésiologie. À cette époque-là, il n'y avait pas nécessité de faire le DEC en sciences de Sciences la santé, nature. mais j'ai ça. J'avais fait ça pour m'ouvrir les portes. Après ça, ma maîtrise en sciences de l'activité physique, volet recherche en biomécanique. Puis après, j'ai fait le micro-programme en enseignement postsecondaire. Tout ça a été fait assez de manière assez linéaire, jusqu'à j'ai pris une petite pause entre le bac et la maîtrise pour aller faire une année au Nouveau-Brunswick. J'ai été monitrice de langue là-bas dans le programme Odyssée. Puis, ça a permis de faire une coupure, justement, de prendre un peu de recul, de voir où est-ce que je voulais m'en aller. Puis surtout, c'est parce que j'avais un peu peur d'embarquer tout de suite dans la roue, puis de ne pas pouvoir en sortir après, là, si ça allait trop vite. Fait que j'avais comme besoin d'une petite pause. Moi, c'est ça, j'ai vraiment rien. Quand les étudiants, là, veulent tracer, là, puis aller le plus vite possible, j'essaie de leur dire que c'est pas obligatoire, tu sais. J'aime bien l'idée de pouvoir mettre un frein à ce qui va trop vite, puis de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Puis par la suite, c'est surtout dans mes emplois que là, c'était pas forcément. J'ai pas, dès la sortie de mon micro-programme, j'ai pas commencé à enseigner au Collégial Sainte-Anne tout de suite. J'ai continué mon emploi en recherche dans le laboratoire de simulation et modélisation du mouvement. Puis, lentement mais sûrement, justement, on peut regarder un peu quelles opportunités s'offrent à nous. Mais faut garder, quand on veut avoir un boulot dans un cégep, faut être patient. Faut avoir, c'est toute une question de timing puis de réseau. Fait que moi, ça me permettait de pouvoir faire des stages d'observation, de prendre une charge de cours ici et là dans différents cégeps. Puis de gagner de l'expérience finalement comme ça. Et De que placer tranquillement ses pions pour réussir éventuellement à avoir sa place. oui, c'est ça, exactement. Puis en tout cas, faut pas perdre espoir, mais faut pas non plus être déçu que ça aille pas vite parce que en tout cas, ultimement, moi je trouve que c'est pas. J'ai pas vraiment une fibre carriériste de base, là. Je suis très à l'aise à travailler à un endroit, à un autre, puis en même temps, tu sais, puis quand l'horaire est éparpillé, mais qu'il est comme vraiment rempli de choses enrichissantes. Donc, je suis peut-être, en tout cas, c'est ça, un autre type de personne, mais je pense qu'il faut être ce type de personne-là, au moins un peu en kinésiologie, si on souhaite du moins s'en aller vers l'éducation au collégial, parce que, ben, c'est ça, à moins d'avoir un timing fou, puis qu'un retraité prenne sa retraite. L'année où on gradue, ben, t'sais, ça se peut que ça se passe bien, ça se peut que ça se passe pas comme ça tout à fait non plus. Fait que, faut prendre les opportunités. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on pourrait appeler ton année sabbatique finalement. Sans être utilitariste, là, mais est-ce que tu penses qu'il y a des compétences que tu as acquises à ce moment-là qui t'aident encore aujourd'hui? Parce que, comme tu dis, tu es monitrice en langue, donc on est à l'extérieur du domaine de la kinésiologie, mais j'imagine qu'on développe des choses importantes quand même. Ben, moi, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai le feeling que tout ce que j'ai fait m'a permis, tu sais, de devenir une meilleure enseignante en éducation physique, une meilleure kinésiologue. Le programme que j'ai fait, dans le fond, il m'a quand même permis de faire une immersion, dans le milieu scolaire, de maternelle, pardon, à 12e année. Puis de voir justement toutes les clientèles, voir avec qui j'aime intervenir. Puis il s'avère que moi j'aime vraiment les 5-6 ans, donc vraiment très très jeunes, tu sais, qui commencent à justement bouger, qui ont de l'énergie, et les 17, 18, 19 ans. Bon, entre les deux, je les aime aussi, là, mais finalement, tu sais, la clientèle avec laquelle j'aime le plus intervenir, c'est vraiment 17, 18, 19 ans, donc la 12e année. Donc, ça m'a permis quand même de voir que j'avais un lien avec ces jeunes-là au Nouveau-Brunswick. Puis, ben, mine de rien, c'est de la gestion de groupe, j'ai été animatrice dans un camp de vacances aussi avant, tu sais, qui m'a permis justement aussi de connecter avec les jeunes, de les voir jouer dehors, d'apprivoiser un peu leurs intérêts, ce qu'ils aiment pas, de découvrir. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, tu sais, je savais que j'allais travailler dans l'intervention ou dans l'éducation. Je savais que ça me prenait ça. Ça me prend ce rapport à l'autre, puis le lien que j'aime créer, puis tout ça, tu sais. Puis j'aime voir évoluer les jeunes, en fait. C'est ça que j'aime.
Donc, les 17, 18, 19 ans, ben, ça, c'est l'évolution assez Intense. rapide, assez, on la voit, genre. Donc, un beau moyen d'apprendre à se connaître cette année-là. Exactement. Est-ce que par rapport, mettons, à tes années d'études à proprement parler de kinésiologie, tu gardes aussi certaines compétences là, directement associées à ton moment académique, par exemple? Ben, toutes les compétences, mettons, associées encore une fois à la gestion de groupe, à l'intervention, à la capacité de créer un lien, mais aussi vraiment d'un point de vue là, organisationnel, toute la planification, tous les aspects logistiques de gestion, puis tout ça, tu sais, mettons, faire une maîtrise en recherche, ben, ça implique, c'est ça, de mener un projet à terme du début à la fin. Donc, ça m'a quand même apporté, c'est ça, beaucoup de compétences, les compétences de capacité d'adaptation aussi, les compétences de travail d'équipe. Donc, savoir quand aller chercher de l'aide, savoir quand bûcher par soi-même, comment aider les autres aussi, communiquer, tu sais, collaborer de manière efficace, puis tout ça. Donc, ça, je dirais que vraiment, la maîtrise en recherche dans une équipe de recherche m'a amené ces compétences-là. Puis sinon, J'aime oui. entendre la fine ligne, pardon, entre travailler par soi-même et aussi demander de l'aide. Des fois, c'est une ligne qui est difficile à établir. On a un certain, appelons ça une certaine ego qui veut réussir des choses, mais des fois, il faut accepter qu'on a besoin d'autres et aussi, il faut accepter des fois aussi qu'on est en réalité capable et il faut se lancer. Oui, mais ouais, exactement. Puis moi, je pense que justement, de reconnaître que, mettons, ça fait comme trop longtemps là, qu'on a passé là-dessus, probablement un collègue pourrait nous venir en aide. Je trouve que c'est efficace pour nous, puis c'est gagnant-gagnant parce que ça envoie le message que c'est correct de demander de l'aide. Et donc, ça va me faire plaisir d'aider moi aussi. Fait que je trouve que dans une équipe, ça construit un espèce de climat d'entraide, versus là, c'est ça, tout le monde qui travaille chacun chez eux à essayer de se débrouiller, puis peut-être justement faire ses preuves, se montrer, c'est pas trop c'est pas ça, c'est pas ça que je valorise. J'essaie de pas avoir ce style-là, en tout cas. Je te pose la question également, la même question, mais en rétrospective, est-ce que des compétences que tu as, mettons des compétences professionnalisantes que tu aurais aimé développer, que tu as dû travailler plus tard que lors de ton cursus académique? Ben là, c'est comme un peu tout le temps de la formation continue de toute façon. Par exemple, spécifiquement, tout ce qui est relié, là, on va dire, aux disciplines elles-mêmes. Tu sais, c'est sûr qu'en kinésiologie, on n'est pas formé, mettons, pour devenir instructeur paddleboard ou des trucs comme ça. Fait que c'est des formations que je suis allée chercher par la suite. La même chose, mettons, pour de l'encadrement cycliste, les premiers soins en région éloignée, tout ça. Mais sinon, plus du côté vraiment. C'est moins spécifique vraiment à une discipline d'éducation physique. Les compétences pédagogiques. Donc, tu sais, il y en avait quelques-uns, mais j'ai choisi certains cours là, qui m'amenaient vers ça. J'en ai choisi aussi dans le micro-programme dans le micro-programme en éducation postsecondaire. Mais il en faut toujours plus. Ça, ce micro-programme-là, c'est un an. Tu sais, on voit beaucoup de choses, mais il en reste tellement à apprendre. On en apprend sur le tas, c'est sûr. Mais par exemple, moi, ce que j'aime, puis que je considère qui n'est jamais parfait encore, c'est vraiment l'évaluation. Donc, c'est ça. Évaluer de manière juste, évaluer avec de la rétroaction, donner des rétroactions constructives, tu sais. Parce qu'il y a tout le temps des notes, mais il y a aussi vraiment des commentaires. Il y a, c'est ça, je trouve qu'il y a toujours place à amélioration dans ce secteur-là. Puis c'est un morceau vraiment important de l'apprentissage finalement parce que qu'elle soit formative ou sommative, l'évaluation, elle existe puis elle est super enrichissante quand elle est bien faite. Mais c'est ça, il faut évaluer les bonnes choses puis le faire de la bonne manière. Donc, travailler sa justesse dans l'évaluation, je trouve que ça sonne très bien. En terminant, Ariane, voudrais-tu nous partager, si tu en as, une anecdote de ton passage à l'EXAP?
J'y ai pensé, mais j'ai pas trouvé vraiment d'anecdote croustillante. C'est plate de même. Ben, il n'y a pas de problème. On peut avoir des passages, des fois, certains passages plus wild, certains passages moins sauvages ouais, dans nos ça. études. Ouais, non, je suis désolée. Ben, ça me va très bien. On aime les réponses honnêtes et je pense que toute l'entrevue montre bien ce côté-là de toi que tu as montré, en fait, sur toutes les parties que tu as mentionnées là, par rapport aux choses à travailler dans la vie pour devenir une bonne kinésiologue. Oui, je peux peut-être faire un mini mot de la fin. Ben, je t'en prie. Ouais, non, mais l'idée, c'est que je voulais transmettre le message que si vous avez le goût d'aider puis d'accompagner les jeunes, d'être des guides pour eux, vraiment la vocation d'enseignement au cégep, c'est la parfaite profession pour ça. Et c'est vraiment une parfaite profession pour un kinésiologue parce que, ultimement, ce qu'on fait, c'est favoriser leur épanouissement. Mais on va dire vraiment dans sa globalité parce que, oui, c'est un passage qui touche l'éducation physique, donc vraiment l'activité physique, mais en soi, on veut juste que ce soit des êtres humains qui trouvent ce qu'ils aiment faire, qui relativisent aussi, parce que justement, ils se mettent beaucoup de pression. Fait qu'il y a toute une notion d'accompagnement, on va dire, vraiment social. Là. Il y a comme vraiment un lien à créer. Fait que si vous aimez entrer en relation, établir des liens, créer un espèce de climat favorable à l'épanouissement, c'est vraiment la piste parfaite pour s'épanouir ensuite soi-même dans la profession. Ben, sur cette apologie de la profession de professeur, je te remercie, Ariane, qui est, je rappelle, enseignante en éducation physique au Collège international Sainte-Anne. Merci d'avoir participé à l'entrevue. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Merci. Et pour tout le monde, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À la prochaine.